Amis du Caté, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici la vidéo numéro 2 du Caté à la maison. Dans cette vidéo, il y aura deux parties. Mais auparavant, simplement une petite recommandation. Je vous ai dit à la précédente vidéo qu'il était bon de dire à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est une belle prière. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ça, ça met en communion avec Jésus. Et donc, je vous propose, de temps en temps, comme ça dans la journée, le matin, le soir, comme vous voulez, de vous tourner vers Jésus et de lui dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et puis, pendant quelques secondes, vous faites silence et vous essayez de vous mettre en présence de Jésus. C'est assez simple en fait. Il s'agit de se tourner vers Jésus. Alors on peut fermer les yeux, par exemple, si ça aide, ou ouvrir les yeux devant une icône, enfin voilà. En cas, la prière, c'est assez important. Hein, ça aide beaucoup pour le caté. Le caté sans prière, c'est, je pense que c'est... Je ne sais pas comment dire. C'est un peu comme des lunettes où il n'y aurait que les verres et pas la monture. Vous voyez, ça se tient, quoi. Il faut une monture. Il faut une monture pour des lunettes, parce que sinon les verres, il faut les faire tenir, c'est pas facile. Hein. Donc il faut une monture, c'est pratique, pour que les verres tiennent. Il ne faut pas non plus une monture sans verre, parce que sinon ça ne sert à rien. Donc vous voyez, enfin, le caté et la prière, ça va ensemble. Donc, voilà, faire du caté sans prier, voilà, ça ne veut pas dire qu'au moment du caté, il faut prier. Mais ça veut dire que dans la journée, disons, il faut à la fois faire du caté et prier. Jésus, j'ai confiance en toi. Et puis pendant quelques secondes, vous faites silence, comme si Jésus allait vous répondre. Alors, il ne va pas vous répondre physiquement comme ça, vous n'allez pas entendre de voix, mais il va répondre par le cœur. Voilà. La prière, c'est du cœur à cœur. Bon, je reviendrai sur la prière. En tous les cas, la vidéo d'aujourd'hui comportera deux parties. La première, je vous apprends une chanson. La seconde, je commence l'explication de la chanson. Parce que la chanson que je vais vous apprendre requiert des explications. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chanson par laquelle on peut apprendre à compter de 1 à 12. Bon, ça, je sais que vous savez compter de 1 à 12. Mais en caté, compter de 1 à 12, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. Et ça permet de ranger un peu tout ce qu'on sait vaguement ou plus ou moins certainement en matière de caté. Donc, si vous connaissez cette chanson par cœur déjà, il y en a parmi vous qui connaissent déjà la chanson, je le sais, et bien dans ce cas, avancez dans la vidéo un peu plus loin et passez directement à la deuxième partie qui consiste à expliquer la première phrase « Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux ». Voilà. D'où est-ce que ça nous vient, ça? Et donc, je vous raconterai l'histoire de Terah et d'Abraham. En fait, Terah était le papa d'Abraham. Mais commençons par la chanson. Donc, la chanson est très simple. Celui qui lance la chanson pose une question. Et il dit « Savez-vous ce qu'il y a un ?» Et ceux qui sont autour répondent « Nous savons ce qu'il y a un ?» La personne qui chante en premier dit « Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux » et l'ensemble des gens qui sont là répètent « Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux » Alors ensuite, celui qui a l'initiative du chant dit « Savez-vous ce qu'il y a deux ? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. » Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Alors, maintenant que je vous ai expliqué le principe, donc c'est une personne qui chante « Savez-vous ce qu'il y a ?» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et les autres répondent « Nous savons ce qu'il y a !» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, une fois que la personne qui a chanté a donné l'explication du chiffre, et bien après, les autres répètent la phrase. Alors, je vais le faire
je vais commencer les trois premiers numéros en faisant à la fois les questions et les réponses. Et ensuite, dans cette vidéo en direct maintenant, eh bien, à partir du chiffre 4, je vous laisserai répondre pendant la vidéo. Voilà, donc je laisserai un petit blanc dans la vidéo pour que vous ayez le temps de répondre. Alors j'espère que vous êtes prêts. Attention, on y va. Savez-vous ce qu'il y a un ? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux ? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois ? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. On continue. Savez-vous ce qu'il y a quatre ? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq ? Il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a six ? Il y a six jars à Cana. Il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a sept ? Il y a sept sacrements, il y a six jars à Cana, il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a huit ? Il y a huit béatitudes, il y a sept sacrements, il y a six jars à Cana, il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a neuf ? Il y a neuf cœurs des anges, il y a huit béatitudes, il y a sept sacrements, il y a six jars à Cana, il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a dix ? Il y a dix commandements, il y a neuf cœurs des anges, il y a huit béatitudes, il y a sept sacrements, il y a six jars à Cana, il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. C'est bientôt fini. Savez-vous ce qu'il y a onze ? Il y a onze frères de Joseph, il y a dix commandements, il y a neuf cœurs des anges, il y a huit béatitudes, il y a sept sacrements, il y a six jars à Cana, il y a cinq livres de Moïse, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau,
Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a 12? Il y a 12 apôtres. Pas terrible. Il y a 12 apôtres. Il y a 11 frères de Joseph. Il y a 10 commandements. Il y a 9 cœurs des anges. Il y a 8 béatitudes. Il y a 7 sacrements. Il y a 6 jarakana. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Alors voici la chanson qui va nous permettre de suivre toutes les vidéos maintenant. Je vais tâcher de dérouler 1, 2, 3, 4, 5 en expliquant chacun des numéros. Quelquefois, dans une vidéo, il y aura plusieurs numéros selon le nombre ou la difficulté du problème. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Terah et d'Abraham. Dans le premier livre de la Bible, qu'on appelle la Genèse, on raconte l'histoire d'Abraham, qui est le premier homme à avoir reçu de Dieu la certitude intérieure qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Alors, en fait, comment ça s'est passé? Donc, Abraham avait un père qui s'appelait Terah. Je reviendrai à Terah. Et Abraham a rencontré Dieu dans le désert. Alors il était, on ne sait pas trop, peut-être que c'était dans un lieu désertique, enfin on ne sait pas trop où ça s'est passé. On sait que c'était en Chaldée, donc on dirait en Irak actuel. Et donc, dans ce pays, il y a de nombreux déserts. Donc, peut-être est-il allé dans un désert et il a eu cette espèce de certitude qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et Dieu lui a parlé à l'intérieur de son cœur pour lui dire, écoute, tu crois qu'il y a plein de dieux partout. Alors, il y en a qui disent qu'il y a le dieu de la montagne, le dieu de la forêt, le dieu de la plaine, le dieu des lacs. Il y a plein de dieux partout, et plein de dieux qui circulaient. Et on croyait qu'il y avait plein de dieux, que chacun avait un peu son dieu, tout ça. C'était un peu le bazar. Bon. Et donc, Abraham reçoit de Dieu la certitude qu'il n'y a qu'un seul dieu. Même si, intérieurement, il s'est dit, mais... comment est-ce que je peux être sûr que le Dieu qui me parle dans mon cœur, c'est le vrai et c'est le seul? Il s'est posé la question, bien sûr. Et Dieu lui a répondu, tu verras bien ce que je vais faire pour toi et pour ta descendance. Et en particulier parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc Dieu lui a dit, tu auras de nombreux enfants, enfin, tu auras un enfant et de nombreuses descendances. Et à partir de cet enfant, qui s'appellera Isaac, et bien, tu auras tout plein de descendants. Des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants, et après tu verras, vous serez très nombreux. Ce qui est vrai, on le sait aujourd'hui. Mais lui, il ne le savait pas à l'époque. Alors nous sommes en 1850 avant Jésus-Christ. Là, on est en 2020. Là, 2020, 0, la naissance de Jésus, moins 1850 ans avant la naissance de Jésus. Ça fait longtemps. Donc, 3000 ans, au bas mot, bon. Donc, il y a 3000 ans, Abraham découvre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Bon, il le découvre intérieurement. Et il avait un papa, Terah. Et on sait, par le livre de la Genèse, toujours le même livre, on sait que Terah était idolâtre. C'est un drôle de mot, ça, idolâtre. C'est-à-dire qu'en fait, il croyait qu'il y avait des idoles, des dieux, il fabriquait des idoles, il se fabriquait des idoles. Un idole, c'est une espèce de dieu qu'on se fabrique, si vous voulez. Voilà. Et donc, comme on a besoin de Dieu, notre cœur est fait pour rencontrer Dieu, pour être en communion avec Jésus, pour être en communion avec Dieu, et ben du coup, on cherche, puis on est prêt à fabriquer n'importe quoi pour avoir un dieu. Bon, alors du coup, il fabriquait des dieux dans sa tête, tout ça. Et il y a des commentaires de la Genèse écrits par des rabbins. Ah, encore un autre mot compliqué. Les rabbins, en fait, ce sont des juifs qui font l'explication de la Bible. Voilà, ce sont des spécialistes de la Bible qui sont juifs. Et donc, quand ils voient dans la Genèse qu'il est question d'Abraham qui découvre Dieu, et qu'on sait que son père s'appelait Terah, on raconte une petite histoire
dans le judaïsme, qui est tout à fait intéressante, qui, est qui sont des précisions sur qui était Terah. Et donc Terah, disent ces rabbins, Terah était un fabricant d'idoles. Il prenait de la terre, de l'argile, tout ça, puis il façonnait un petit personnage en forme de bonhomme, et puis il les vendait aux gens en disant, vous allez voir, si vous faites des prières devant cette petite idole, eh bien alors, vous verrez, ça marchera et tout. Donc, bon, alors, ben, quelqu'un l'achète, et puis il le dit à son copain qu'il l'achète aussi. Et Terah vendait des idoles en argile. Bon. Et puis Abraham était un peu embêté que son père croit encore qu'il y a plein de dieux, alors que lui savait qu'il n'y avait qu'un seul dieu qui règne dans les cieux. Et un jour, on raconte que Terah partit en voyage, et Abraham profita de l'absence de son père. Alors, il ne faut pas faire ça à la maison, hein, avec les affaires de votre papa, mais là c'était différent, c'était par rapport au faux dieu. Hein. Donc attention, hein, faut pas reproduire l'expérience à la maison. Bon. Et donc, je prends cette précaution qui est importante. Parce que du coup, comme il voyait que son père fabriquait des fausses idoles, hein, des faux dieux, des idoles, et... non, c'était des vraies idoles, des faux dieux, quoi, hein, en argile, il s'est dit, comme mon père est parti, j'en profite, je prends des idoles et je les casse les unes sur les autres. Voilà, alors, il casse toutes les idoles, et Terah rentre de voyage, et il voit toutes les idoles par terre en morceaux. Il se tourne vers son fils et lui dit, mais mon fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors Abraham lui dit, ben écoute, c'est simple, il y a eu une dispute entre une première idole et une deuxième, entre une statue et une autre, elles se sont disputées, et puis tout le monde s'y est mis, tout le monde s'est battu, et puis c'est comme ça que toutes les statues se sont cassées. Alors Terah lui dit, ouais, tu sais très bien, dit-il à son fils, que une statue ça parle pas, ça se dispute pas avec une autre, me raconte pas d'histoire. Et à ce moment-là, Abraham lui répond, ben, si tu sais très bien que ces statuettes sont aveugles, sourdes, muettes, et que, évidemment, elles ne sont pas des dieux, pourquoi tu les vends? C'est une bonne question, hein. Et donc, Abraham, à partir de ce moment-là, a commencé à se dire, allez, je vais faire confiance en Dieu, je vais décider dans ma tête, je fais un pari, hein. Je fais un pari, je décide de croire qu'il n'y a vraiment qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Voilà. Je fais ce pari-là. Il m'a promis que ça allait bien se passer avec lui, donc je lui fais confiance. Et c'était pas bête, parce qu'il a fini par avoir un fils qui s'appelle Isaac, mais ça c'est une autre histoire. Peut-être qu'il faut que je vous raconte la suite de son histoire dans une prochaine vidéo, pour pas que ce soit trop long. En tous les cas, Abraham est l'homme qui, il y a 1850 ans avant Jésus-Christ, à qui nous devons de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ça, c'est quand même très important, ça. Et après, Jésus a donné des précisions, hein, sur qui était ce Dieu révélé à Abraham. Mais c'est bien plus tard, parce que c'est 1850 ans après Abraham. Donc, il s'est passé plein de choses que je vais sans doute pouvoir vous raconter par petits bouts. En tous les cas, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. La religion catholique. Allez, je vais dire un mot compliqué pour ceux d'entre vous qui aiment les mots compliqués. Car quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les mots compliqués. La religion catholique, notre religion, la religion catholique est une religion monothéiste. Monothéiste, ça veut dire un seul Dieu. Voilà. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, trois, cinq, dix, il n'y en a qu'un. Dieu, un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et c'est grâce à Abraham que nous savons ça. Et Abraham, en fait, a eu des promesses de Dieu qui se sont révélées exactes. Voilà. C'est ça qui nous permet d'être sûrs de ce Dieu qui est unique. Alors voilà, eh bien, je vous propose à nouveau, hein, de temps en temps, vous tourner vers Jésus en disant, Jésus, j'ai confiance en toi. Et après, pendant quelques secondes, vous vous taisez pour entrer en communion, en relation avec lui. À bientôt.